Il y a un truc qui me surprend. La Model 3 Highland, tout le monde se plaint des clignotants. Personne ne cherche de solution. Personne n'en parle, en tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo. Pourtant, il y a un truc très simple. Un truc vraiment simple pour pallier à ce problème de clignotant. Il y a plusieurs solutions, en fait. Mais si tu veux avoir des boutons physiques de chaque côté du volant pour les clignotants, il y a une solution toute simple. C'est quoi cette solution toute simple? Black and white, c'est comme ma voiture. C'est les boutons sexy, tout simplement. Alors, les boutons sexy, je les ai pas encore installés dans ma Highland. Ils sont là pour le moment. Je vais t'en mettre un pour le moment derrière ici. Voilà, donc derrière le volant. Voilà, ça sera plus simple comme ça. Ah, peut-être un peu trop loin. Là, c'est bien là. Et l'autre, où est-ce que je vais te le mettre? D'après toi, où est-ce que je vais te le mettre? Quand même pas autant d'affinité. Peut-être prendre un verre d'abord. Voilà, il est là. J'entends plein de gens dire, ouais, si t'es motard, logiquement, t'as pas de problème à avoir les clignotants de ce côté-là. Explique-moi un truc. Quand t'es motard et que t'es dans un rond-point, tes clignotants, ils sont toujours du même côté. Si jamais t'es motard, quand t'es dans le rond-point, que les clignotants ils sont là, et que quand tu prends le rond-point, les clignotants il est là, c'est que t'es en train de finir à l'hôpital là, mon vieux. Hein. Donc faut arrêter de dire, ouais si t'es motard, la vie est plus simple en Highland. Non, la vie est plus simple en Highland quand tu mets des raccourcis pour avoir une vie plus simple. Et c'est exactement ce que je vais te montrer avec ces boutons sexy. Je vais te montrer comment les utiliser en tant que clignotant. Mais il y a tellement de possibilités que tu peux faire avec ça. Alors, je vais dans mes boutons. J'en ai un premier. Tu vois, je l'avais paramétré pour fermer les miroirs, les rétros. Et on va mettre clignotant gauche pour lui. Allez, dans accessibilité. Voilà. Clignotant à gauche. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon deuxième bouton qui était pour la boîte à gants temporairement. Je vais le mettre en tant que accessibilité, clignotant droit. Bon, moi, c'est normal qu'il soit en anglais, t'inquiète pas. Le logiciel, il est en français. Ouais, je vais cliquer dessus. Voilà, je clique, ça s'annule. Clignotant gauche. Là, normalement, il devrait être un peu plus rapide. Voilà, super. Je vais de droite à gauche. Impeccable. Donc là, j'ai plus de problème pour prendre les ronds-points, là. 3 minutes, le tour est joué. Enfin, 3 minutes et demie. Parce que il faut quand même les installer sexy buttons. Et je vais te montrer en fin de vidéo comment le faire. Fais attention, ça blesse, hein. C'est pas les sexy buttons. C'est la Tesla Highland qui est un peu compliqué à démonter. Ah, ben voilà mon petit louloute. Je vais te montrer d'autres choses intéressantes avec les sexy buttons. Il y en a tellement. Je sais pas si t'as vu tout à l'heure quand j'étais en train de trifouiller dans le menu, mais un bouton a 2 possibilités et t'en as 6 ou 4 dans la boîte, donc t'en as pour 8 possibilités et tu peux faire tout en fait, tout. Allez, clignotant droit, t'es magique. On a un rond-point dans 500 mètres, c'est la fête des ronds-points à Nîmes, sauf qu'on va pas à Nîmes, on reste pas sur Nîmes, donc du coup, clignotant droit il est là, hein. Regarde, j'appuie, hop. Je rappuie. Ok. Donc ça, tout petit rond-point, logiquement, je devrais pas avoir de soucis. Et tu vas voir que même à une main, en ayant la main à droite, eh ben, je peux garder mon clignotant allumé. J'espère. Parce que finalement, il est pas si petit ce rond-point. Hop. Si, ça va. Regarde. À l'aise. Hop, j'appuie. Et hop. Clignotant. On retente l'expérience d'ici 400 mètres. Super pratique en fait. Et au retour, donc là on s'en va à Sainte-Marie-de-la-Mer, on va aller prendre un petit goûter tranquillement. Au retour, je vais essayer de ne mettre qu'un bouton pour agir sur le clignotant droit. Parce que j'imagine que clignotant gauche, logiquement, il n'y a pas de problème. C'est vraiment... Le plus gros des problèmes, c'est quand on est dans un rond-point et qu'on cherche à sortir, que le rond-point est relativement petit et que le volant est
en dessus dessous quoi. Donc voilà, hop là, pareil, tu vois, j'appuie, hop, ça y est. Bon ben voilà, on va s'en faire quelques-uns. Hein. Allez, on reprend. C'est le même de petit type de, c'est le même type de petit rond-point en fait. Donc logiquement, ça devrait aller. Après, c'est vrai que quand j'ai le volant à l'envers, à l'endroit là, upside down, c'est que bah il va falloir que j'appuie sur le volant côté gauche pour sortir. Donc là, aucun souci encore. Hop. Il fallait voir quand je tourne à gauche en fait comment ça se passe. Allez, on va s'en refaire un. Ouais, tu vas en bouffer des ronds-points. Hein. C'est le sport national à Nîmes. Et je peux t'assurer qu'ils sont, les Nîmois ne sont pas prêts de faire les Jeux Olympiques des ronds-points. Oh, comment ils savent pas prendre les ronds-points? Allez. Hop. J'appuie. Boum. Ouais, c'est. Ça se déclenche relativement vite. Hop. J'appuie. Ben voilà, c'est QFD. Du coup, maintenant, on va changer. Je ne mettrai qu'un sexy button que je vais mettre à gauche au volant et donc qui va être servir uniquement de clignotant à droite. Continue à les effacer, ma chérie, s'il te plaît. Du coup, soit je reprogramme ce bouton-là, soit pour plus de simplicité, je l'enlève, je prends celui-ci que je colle ici. Voilà, je teste, j'appuie et ça va, impeccable, clignotant droit. C'est un peu contradictoire, mais on va voir si dans le rond-point, eh bien, ça fonctionne bien. Alors là, tu vois, on a carrément un cas où c'est intéressant, c'est-à-dire que le volant est à l'envers, mais j'ai qu'un mouton, donc je sais que c'est sorti de droite. Eh bien, arrivé au moment T, eh bien, je vais pouvoir appuyer sur le bouton. Hop, ça y est, le clignotant change de sens. Ah, c'est pas mal ça, le premier rond-point on l'a eu dans le 1000. Alors là pareil, il va falloir que j'aille trois quarts gauche on dirait. Donc il faut que j'appuie sur le volant à gauche, voilà, et là hop, logiquement je peux garder mon doigt appuyé sur le volant. Ah non, voilà, donc là pareil, j'appuie. Ouais, en fait ça paraît illogique de l'avoir un bouton à gauche pour un clignotant à droite, mais comme t'as qu'un bouton, tu sais qu'il est paramétré pour la sortie de droite, parce que c'est surtout cette sortie, enfin c'est surtout le clignotant à droite qui dérange. Alors là, on arrive à un rond-point classique, hein, je vais tout droit, donc logiquement, j'ai pas besoin d'utiliser ce bouton parce que je garde simplement mon doigt sur le clignotant de sortie, donc il pointe à l'intérieur du volant. On va voir, logiquement, filme mon volant, s'il te plaît. Ça fait du bien d'avoir un assistant. Donc, tu vois, j'ai vraiment le doigt là-dessus. Bon. Voilà. Impeccable. Au pire, au mieux, je peux toujours garder le doigt sur le sexy button ici, si jamais j'en ai besoin. Moi, ça y est, j'ai pris habitude avec ces clignotants Tesla. Mais c'est vrai que, bon, ben, les sexy buttons, ça peut dépanner pour certains. D'ailleurs, dans la description, tu as un lien pour accéder à ces sexy buttons et en prime, eh bien, tu as une réduction que j'ai négociée spécialement pour toi avec le code TeslaVenture. TeslaVenture, tout en majuscule, il n'y a qu'un A, TeslaVenture. Voilà. Parce que Tesla et les aventures, ça va avec. Je parle trop? C'est quoi? Ce que j'adore le plus en termes de fonctionnalité avec les sexy buttons, c'est la réactivation automatique de l'autopilote quand on change de voie. Tu vois, je vais changer de voie, je me mets sur la nouvelle voie, je ne touche à rien du tout. Il se réactive automatiquement. Alors, on va se prendre un rond-point et on va pas se le prendre. On va hop, non, pas rentrer non plus dans le rond-point. Bref, on va faire le rond-point. Et on va se réactiver automatiquement l'autopilote. Alors, hop. Ok. Ah, les mecs en moto, ils assurent quand même. Il a passé, je sais pas combien de vitesse là.
en roue arrière. Pas mal. Bref, regarde. Je change. Et hop, ça se réactive tout seul. Voilà, impeccable. Et ça, j'adore. J'adore. Il y en a dans la description. Bon, après les boutons, je les ai mis à gauche ou à droite, hein, donc toi tu les mets où tu veux, c'est, peu importe, j'ai juste voulu tester un petit peu toutes les possibilités. Comme tu le sais, c'est un bouton qui se colle n'importe où, donc bah, du coup la possibilité c'est toi qui l'as fait, quoi. Parce que tu peux très bien arriver au milieu du rond-point et te dire « Oh mon Dieu, je ne sais pas où se trouve le bouton, oh, attends, qu'est-ce que je fais ? Voilà, là, je me gratte la tête et hop, voilà. » Est-ce que c'est le clignotant Zemipus ? Oui. J'ai l'air d'un con aussi, non ? Merci de ne pas répondre. Et adorable, ma fille. Du coup, eh ben on va se quitter là-dessus. Toi, tu me laisses un pouce en haut. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne alors que tu arrives à ce stade de la vidéo, tu t'abonnes, ça me fera super plaisir. Tu me laisses un commentaire. Est-ce que, selon toi, ce genre de sexy button... Buton. Ce genre, surtout que j'ai l'air vachement sexy là, avec mon buton sur la tête. Est-ce que ça peut être utile pour toi? En tout cas, ouais, moi j'aime. Bon, honnêtement, l'Island, c'est ce que tout le monde te dit, quoi. Il faut s'y faire. Je sais maintenant que quand je suis à l'intérieur du rond-point, c'est vrai que j'ai toujours le regard posé un petit peu vers le bas, une fraction de seconde, mais c'est la flèche qui pointe vers l'intérieur du volant sur lequel je clique, tout simplement. Et donc, ça me permet de sortir du rond-point. Mais sinon... Oh merde. Hein ? Il faut que je le perce, en fait, mon acné, là. Ka ! Je sais. Enfin, non, je sais pas. On est limité à 30, là, avec ce GPS de Tesla. Allez, mets-moi un pouce en haut, juste pour ça. Alors, je suis sur la porte passager et donc on va démonter ça. C'est vraiment différent ce nouveau modèle Island des modèles Y et des modèles 3 anciennes, donc 2023. Alors, pour démonter, il faut commencer par retirer le caoutchouc ici. Donc, n'aie pas peur de tirer un petit peu dessus, tu vois, ça s'en va ici aussi. Il y a une dose de pollen hier, regarde-moi ça. Impressionnant. Quoi, ta voiture elle est noire, Yann? Non, elle est noire et blanche, Michael Jackson. Ah, c'est comme ça que j'aurais dû l'appeler ma voiture, Michael Jackson. Allez, maintenant j'ai mes outils ici, je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser. Ces trois là, ils se ressemblent. Je vais prendre le plus orange et idéalement il faut, voilà, tout doucement comme ça, je peux pas poser la caméra, mais tu vois, tu les entends les claques, hein. Après tu tires un petit peu dessus ici pour le déboîter, ok, et voilà. Après, voilà. Par contre, tu vois, j'ai déjà un téton de cassé, moi. Ça n'a pas été fait aujourd'hui, ça a été fait la dernière fois. Il s'est cassé lors du remontage. On verra après le remontage. Lui, ben, tout simplement. Hein. Voilà. C'est marrant que la chose... la plus rapide prenne le plus de temps. Allez. Ok, j'ai réussi à le caler dans mes jambes. Je sais pas si ça va bien marcher. Donc en gros, il fallait que j'arrive à plier ça. Voilà. Voilà. En faisant en sorte que ça n'appuie pas trop sur la boîte à gants. Donc je vais mettre ça. Voilà. Super. Maintenant. Il va falloir que j'utilise ceci pour mes sexy buttons. Tu vois, ça c'est l'ancien câble qui n'est plus fonctionnel. Ça se branchait derrière sur les anciennes modèles 3. Derrière, ça ne se branche plus devant maintenant. Donc, du coup, j'ai un adaptateur, voilà, que je vais devoir brancher sur le commandeur. Donc, je débranche l'ancien. Voilà.
je branche, je prends le nouveau câble, voilà, que je branche sur le commandeur. Voilà. Maintenant, je vais en brancher un ici. Tu vois, l'été, je l'ai mis en série, là, vraiment, j'en ai toute une collection. Voilà, alors, je le rajoute ici. Voilà, et lui, je le mets là. Voilà. Idem pour celui-là. Tu vois, j'ai déjà quelque chose, donc je vais vraiment les rajouter en série. Hein. Il y a de la place de toute manière. Je vais mettre 3 accessoires. Voilà. Du coup, hop. Voilà. Et lui, quel est le mot que j'ai le plus dit dans cette vidéo? Voilà. Et tu vois que j'ai mon commander qui s'allume. Je vais tester tout de suite avec l'application, voir si ça fonctionne. Bon, alors a priori, ça a l'air de fonctionner. C'est juste que la voiture, il faut que je change son nom manuellement. Voilà. Ma batterie est à 17,5. Je suis à 56 degrés. Les commandeurs, mes boutons, j'en ai 2. Impeccable. Il faut juste que je fasse la mise à jour peut-être. Ben voilà, c'est parti.